Il veut revoir même mon protocole. Bon. Alors, je prenais tout juste la parole pour vous souhaiter la bienvenue, pour vous dire aussi Valéma, parce que d'habitude on commence à l'heure pour pouvoir libérer les gens. Mais les contraintes de l'organisation au niveau de Moussidou ont fait qu'il fallait que l'on attende. À dire aussi que ce livre-là traite beaucoup de la banlieue, mais ce n'est pas la première fois que la banlieue a le beau rôle ici dans le centre de recherche transafricaine. Quand on a instauré la parité, la grande dame qui a été invitée ici sur la proposition du centre, c'était une dame quand même qui est très connue de la banlieue et qui quand même porte le tchaya au même titre que les hommes dans l'arène, c'est-à-dire Madame Ndiaye Tyson, que le président Aliou Sarr et tous les autres de la lutte, y compris le grand reporter de la RTS, sont venus célébrer aujourd'hui ici. Et quand je passe à la banlieue, je me dis le lycée de Mamoulaye, le concours général du Sénégal ne saurait exister sans le lycée de Mamoulaye. Donc la banlieue donne le rythme, mais donne aussi le souffle de Dakar et de l'ensemble du Sénégal. Donc un plaisir de vous accueillir tous ici au centre de recherche Ouest Africa. Et peut-être passer la parole à M. le Général qui va présider la séance qui commence dès qu'il aura pris la parole. Général, bienvenue et vous avez la parole. Merci beaucoup. Qui pousse présider cette séance de dédicace? J'en profite pour saluer toute l'assistance, mes camarades officiers généraux, monsieur le ministre, monsieur le ministre qui est le gendarme, le ministre Mamoudou Diop, qui nous honore de sa présence aujourd'hui, l'ensemble des membres du Présidium, avec à sa tête madame la représentante présidente HCR, M. Rome Sédiment, M. Sen, bien sûr, le Guard, et l'ensemble des personnalités ici présentes. En tout cas, je remercie encore une fois le colonel Mbaïdou. C'est pour vous. Faites les lumières ainsi. Le livre, nous avons parcouru très tard hier, un peu. Donc, c'est quatre parties principales. Go back, please. D'abord, go back. You can't be here standing with them. You go back. L'environnement qui doit évoluer tout aussi supérieur de la gendarmerie. Ensuite, son passage au niveau des forces armées, les armées et la gendarmerie, son contact avec l'environnement humanitaire à travers une mission onusienne sur Timor-Est, et enfin son parcours maintenant affirmé dans l'humanitaire à travers ses missions dans le cadre du nouveau commissariat aux réfugiés. Donc sans plus tarder, je vais laisser la parole au premier intervenant. Pour la séance de dédicace, monsieur le président du gouvernement. Mesdames, Messieurs, Mesdemoiselles, chers invités, nous avons ainsi l'honneur de vous compter parmi nous à l'occasion de la cérémonie de dédicace du livre de Ndiaye Diram Diouf de HCR, Lumière invisible. Moi-même, je suis monsieur Malik Ndom, votre maître de cérémonie. Nous sommes ici au WAC, West African Research Center, dont le professeur Ousmane Seng en est le directeur et il est en face de vous sur la table. Vous avez M. Babacar Ngom, président directeur général de la Sédiment, préfacier du livre. M. Fodengion de la maison d'édition Avis. M. le ministre Omar Diambaba, qui pour le moment n'est pas là, qui est le conseiller diplomatique de M. le président de la République. M. Ibrahima Diaboula pour la présentation de la note de lecture. Docteur Fatou Diouf qui va parler au nom de la famille et qui est la sœur de l'auteur du livre. Nous saluons la présence d'importantes personnalités et autorités, dont les généraux Maïsagnan, François Ndiaye, Jean-Baptistine, Mamoudou Diouf, le commissaire Ablaïdio, directeur de la sécurité publique. Nous ne pouvons omettre aussi la présence d'autres personnalités civiles. Enfin, pour ce qui est de la prise de parole, nous avons M. Seng, directeur du WAC,
Monsieur Foneyon de la maison d'édition, Monsieur Babacar Ngom qui en est le préfacier, Docteur Fatou Diouf au nom de la famille, Monsieur Ibrahima Diaboula, et pour terminer, le général de division d'enseignants distribuera la parole au fur et à mesure de l'expression des besoins d'expression. Je vous remercie de votre attention. Merci, mon cher. Monsieur le ministre Mamadou Diop, professeur Ousmane Sen, directeur du WAC, du général, je vais lui commencer comme cela. Mais, monsieur, les officiers, monsieur le général, monsieur Babacar Ngom, directeur général de l'enseignement, monsieur le directeur du livre et de la lecture, monsieur le directeur des éditions Maguilaine, président des écrivains du Sénégal, monsieur Aliou Babembe, monsieur, chers auteurs et éditeurs, monsieur Mabousso Thiam, monsieur Moussambo, chers auteurs, chers éditeurs, chers invités, chers auteurs, Mike Grand-Diouf. C'est toujours un grand moment de nous retrouver dans cet espace du WAC pour la célébration d'une œuvre. Une œuvre née du travail important et riche de Mike Grand-Diouf, un homme expérimenté d'une discipline rare et que nous avons rencontré durant la publication de son ouvrage. Une passion marquée, soutenue tout le long du processus éditorial. Lumière invisible est véritablement un travail de profondeur qui, par presque d'une excavation existentielle, d'un lieu, d'une réalité, pour prétexter ce long récit qui, par moments, ressemble à une autobiographie, mais reste encore loin du genre, parce que la restitution de Mike Grand-Diouf a aussi des éléments fictionnels. Mike Grand-Diouf a bien réussi cette démarche à mi-parcours. Une vie remplie, trempée dans l'environnement de la banlieue, qui ouvre grandement et nous permet d'accéder au couloir. Il nous invite, en relation presque intime, dans cette introspection qu'il s'impose en se livrant. Le mérite est d'autant plus soutenu dans le cheminement qui parle aussi de cette source militaire vers l'humanisme, où l'information reste à son niveau de responsabilité, une confidentialité respectée. Tout au long du manuscrit que nous avions reçu, le respect et l'admiration de Mike Grand-Diouf à cette appartenance n'a été amoindrie ni négligée. Cette appartenance a toujours été dans sa croyance fondamentale. Comme vous le savez, pour assurer le profil publiable recherché par tout éditeur, il faut cette appétence spirituelle qui aiguise toute approche. Mike Grand-Diouf s'est imposé cette rigueur méthodique qui sous-tend sa démarche. Le travail ici présenté suscite bien des curiosités, des témoignages vivaces, des récits de missions partout, à travers le monde, en respectant la confidentialité. Tout ceci, Mbaye nous l'offre avec minutie et surtout avec prudence. Monsieur Babacar Ngom nous dit dans sa belle préface, nous concédons que l'intervention de la main invisible dans notre vie est une réalité à laquelle personne ne saurait échapper, car c'est Dieu qui fixe notre destin. Une belle conviction que Mike Grand-Diouf ne cesse de nous rappeler tout au long de son récit. Sans nul doute, Mike a réussi à nous atteindre agréablement et de se mettre en relation avec la banlieue et avec lui-même dans sa quête de justice. Le colonel Ibrahima, qui parlera du contenu de l'ouvrage, sera plus profond dans ce descriptif. Ce qui concerne la maison d'édition Abyss, elle est une structure qui publie en littérature générale un ouvrage parascolaire en langue nationale. L'accent sur les langues nationales est devenu une des priorités dans notre production, car elles garantissent la transmission sur de nos valeurs.
Nous comptons déjà plusieurs auteurs sénégalais étrangers et développons un partenariat africain en coédition illustrée par des productions déjà sur le marché. Je termine en souhaitant un bon parcours littéraire à Mbaye, qui va nous surprendre encore avec une autre fiction qui est à l'horizon, et lui souhaite la bienvenue à Abyss Édition. Nous remercions aussi le WAC pour avoir mis gracieusement cet espace pour cette cérémonie. Je vous remercie de votre attention. Babacar Diouf bi nga xamni mo bindi téré bi di nuyu ñi nga xamni ñepp fekk nañ leen fi tabar leen tout gis ñu leen ma ngi seen soma partal ci bir ak général Guey Faye di wax ni Moussa Diouf pour wax le esprit de secours ci Babacar la bala ma ñew ci li leen lekkale yeen ñatt yow ak may señal ak Babacar dana ci ñew lu gatt lay doon téré dafa mel ni nit su ko bindé li ngi defalat nit bind nit mais lu non nak lu yalla def mënta def mënta yëm lu binda fon def mais téré su ko nit bindé dafa mel ni dafa topando suñu borom ci jëf yo xamni du raf ba adiné tuti kokou nak soko defé Babacar nga tan ko mu préfacer ko lolou motax limu am tan na ci limu gëna bëgg ci adinam and ak mom ki moy bay Saliou ngom mo bay lay ngom mi dir Babacar ño bok ndey bay ki di Mamadou Sow mo Babacar ñoo ci dondo ci bawol magando don kenn musno takaliko ben yoon and ak Fallou Ndiaye bele ak Babacar kenn la duñu ñaar andante ak Pape Fall ami boutique kenn la ak Babacar duñu ñaar ndax li ko def moy kenn ku nekk da nga jël sa taw baye la ko sa morom moko may ki moy soxna Babacar madame ngom ñu ngi ni to muy ndela jor and ak nga xamni moy madame Diawara nga xamni Sidi Mali muy reey lepp tabarakala la ca madame Diawara xam Babacar xamuko taw ma na le directeur général adjoint di Sidi Ma muy ante Babacar ak Kumba ak seeni xarit duma dim ndax bu dim joom ci lim bi nak dama fay fek ko xamni ki bu may fay ko ñeen fukki dirham la ko xam suñu borom boole lu muy Aliou Badara Bey 1970 bobu mi ngi nek contre l'économie bobu poussé bu jaay kilo bop bu ñaja ci man ngay yow té bobu ma ngi am len téna ma ngi dem ci mom naka bakum bakum Moussa Diouf kon Babacar daf la sante gërëm la ci lu lay ñu ko défal wayé dédicace daf may fatte li 1549 digënté Amadou Ngondé lu Kumba Diary ak la li fukki la bété ñanti ak Mamadou Diop le maire ak Ibrahim Seck ak ki nga xamni moy colonel Abdoulaye commissaire Abdoulaye Diop fi ma tollo won moy li dafa am solo mam Birame Diouf na wax na ni ce digenté pour ce commando fi ñewé tuddu di ci taxaw mo may koor juroom ñent ci jaar 1549 bi mami Babacar ngum ni di dem di xex ak lay fuli fak la batay jang 1549 kene bi muy dem mami ki nga xamni moy general may seigneur dafa den juro ngent gay nako ay tuli fas sawat mami Babacar ba sor yax ta du mut sa mam bi ko tuba bi tabaxal takam ko ci taxaw di signer mom convention muy
que la parole qui fait que mon Dieu, tu penses que ton frère Fatima Diagne, mais ce moment là, on va te dire. Comme, je vais vous dire, je nous faisons que nous sommes en train de nous faire. 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 Nous sommes en train de sauf que je suis à fond de tous les soirs de Paris, je suis mort de la campagne de Paris. Sans donner de femmes baccalauréat, il dit que le docteur Etienne, je suis à la table 70. Fauf là, il n'y a pas de problème, 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 il n'y a pas de problème. Mon grand frère Sel, nous les félicitons de la loquer. Sous nos maglas, nous avons dit que nous avons dit toujours que nous avons dit 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 que nous avons on est comme ça, on nous donne des tickets de l'éducation. Tiens, c'est pas la malédiction. C'est ça la Sénégalité d'un sens. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur le Président, la parole est à nous. Merci, Général, l'enseignant, le commandant de la gendarmerie, Monsieur le ministre Mamadou Diop, Monsieur le directeur de Abyss Édition, chers invités, mesdames et messieurs, chers amis. Mes premiers mots vont à l'endroit des organisateurs de cette cérémonie à qui je voudrais transmettre mes chaleureuses salutations ainsi que mes très sincères remerciements. Mon cher Maïl, vous avez porté votre choix sur ma modeste personne pour préfacer votre bel ouvrage, Lumière invisible. Je suis très honoré par ce choix, que j'apprécie comme une marque d'estime et d'affection qui me va droit au cœur. Au-delà de cet honneur que vous me faites, vous me donnez la primeur de la lecture du livre qui rappelle le parcours de bon nombre de nos concitoyens qui ont vécu dans les mêmes conditions. Permettez-moi de vous en remercier très sincèrement et de vous dire tout le plaisir que j'éprouve en prenant la parole devant cette assistance composée essentiellement d'autorités, de compagnons d'armes, de connaissances, de parents et d'amis, pour partager ces moments qui resteront gravés dans nos mémoires. Ceci dit, je voudrais vous féliciter pour votre courage, votre engagement et surtout pour la volonté que vous avez eue d'encourager les jeunes des banlieues à croire en eux-mêmes. Malgré les difficultés qui caractérisent ces milieux, réputés être le centre de repli de tant de familles démunies dont le devenir n'est pas a priori certain. Croire en soi commence par le refus de la résignation et la recherche du savoir, vient ensuite la vision et la détermination pour réaliser celle-ci. Je sais que bon nombre de nombreuses contraintes liées à la compétition de plus en plus dense et à l'état de fragilité de certaines couches sociales peuvent être des obstacles à la réussite. Toutefois, la détermination à atteindre l'excellence reste la meilleure arme, car elle est source de motivation dans la quête du savoir et du travail bien fait. Cet invite n'est point superflu car, faut-il le rappeler, le destin, par la grâce de Dieu, n'est jamais une donnée figée. Le champ du possible est immense. Il faut juste en avoir conscience et surtout être armé de la volonté de faire bouger les lignes.
C'est cette prise de conscience qui peut faire du couple effort, travail, un sacerdoce pour pousser l'homme à déclencher une dynamique de créativité qui sera la source d'un enrichissement personnel et collectif. Par le biais de ma modeste préface, et plus encore par celui de ce magnifique ouvrage qui nous réunit, c'est ce message de foi, d'espérance et d'abnégation que je voudrais adresser aux jeunes de mon pays et de mon continent. Je le fais, nous le faisons, en tant qu'aînés pour leur dire qu'il est permis de rêver et de se projeter dans l'avenir. Mon cher Mbaye, en décidant à travers l'écriture de partager votre vécu et vos riches expériences, vous contribuez grandement à l'éveil de conscience des jeunes défavorisés par la nature et qui parfois peuvent connaître un sort difficile. La lecture de votre ouvrage a véritablement suscité en moi admiration et respect, estime et affection. Comme pour la plupart des jeunes enfants issus des milieux défavorisés, vous avez été confrontés à de nombreux risques et obstacles qui ont jalonné votre parcours. Vous avez réussi à les surmonter en faisant preuve d'intégrité, de ténacité, de courage et de persévérance. Autant de qualités qui vous sont reconnues. C'est là que j'ai davantage compris le sens du titre de votre ouvrage qui me replonge dans mon royaume d'enfance pour parler comme notre compatriote Léopold Sédar Senghor, illustre poète et grand homme d'État. Je ne doute pas que Lumière Invisible recevra tout le succès qu'il mérite. Je le recommande. Je le recommande particulièrement aux jeunes générations, en étant persuadé que ceux qui auront la chance de le lire en retiendront d'excellentes et solides leçons de vie. L'auteur de Lumière Invisible en est un homme à offrir un exemple. Il est un pur produit de la banlieue qui revendique. Il a réussi à se forger une place dans la hiérarchie de l'armée sénégalaise et de la gendarmerie nationale, mais aussi dans le système des Nations Unies. Pour son parcours professionnel exceptionnel à tout point de vue, il mérite nos vives et chaleureuses félicitations. Chers invités, mesdames et messieurs, je ne saurais terminer sans prier Dieu qu'il continue de projeter sa lumière sur notre cher Sénégal. Qu'il guide la jeunesse de notre pays sur le chemin de la droiture, de l'unité et du progrès. Merci encore une fois, mon cher Mbaye. Vous êtes un homme digne et pétri de diom, de colère, de soutre et de mort, que la jeunesse gagnerait à prendre un exemple. Je voudrais saisir cette occasion pour vous renouveler encore une fois ma gratitude. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre aimable attention. Monsieur Maïssan Niam, Monsieur le Ministre, les excellences en vos langues et le protocole bien observé. J'ai beaucoup d'émotion d'être sur cet panel. J'ai aussi, ça me fait beaucoup plaisir aussi d'être parmi vous, d'avoir été invité par mon collègue et mon petit frère, si j'ose le dire, parce que souvent les femmes
Même quand on est un peu âgé, on n'a pas de petits frères. Mais si tu me permets, Mbaye, aujourd'hui, je pense que je pourrais me référer à toi comme un petit frère pour montrer aussi quelque part à cette audience si c'est vraiment intéressant d'avoir cette audience que je vois devant moi avec les généraux de grandes dames et de grandes personnalités. Je vais toucher deux, trois points pour communiquer quelque part l'estime que nous avons pour Mbaye. Et je parle ici en représentant mes collègues du ACR, bien sûr. Et il y en a beaucoup qui sont dans l'audience. Mais il y a encore plus qui sont derrière nous, qui ne pourraient pas venir. Et donc, je m'adresse à vous en leur nom. Bien sûr, je m'adresse à vous dans le nom aussi de mon mari qui est avec nous dans l'audience. Il est là. Je sais que vous avez déjà deviné que j'essaie de parler cette langue Wolof avec un peu de difficulté, mais je suis sûr que vous allez toutefois comprendre ce que je vais dire par finir. En premier lieu, quand Mbaye m'a saisi du fait qu'il avait écrit, il a écrit un roman, ça c'est déjà depuis 4 ans, j'étais étonné parce que je me suis dit, avec le travail du ACR où on travaille 18 heures sur 24, où est-ce qu'il a trouvé le temps de pouvoir mettre en écrit ses réflexions sur son enfance et sur son parcours. Mais je l'ai encouragé de suivre toutes les étapes parce qu'avec le ACR, même si tu touches beaucoup plus ton enfance, autant que tu as quelques paragraphes sur l'agence, sur le travail de l'agence, il faut chercher toutes les autorisations jusqu'à New York pour s'assurer que vous n'avez pas mis quelque chose qui pourrait compromettre l'image et la crédibilité de des Nations Unies. Il a été très patient, il a fait tout ce parcours. Aujourd'hui, nous nous réjouissons de nous joindre à lui et à vous, bien sûr, pour ce dédicace. Probablement, il faut que je vous informe qu'au ACR, on a plus de 10 000 staff et nous travaillons dans plus de 130 pays. Sur les 10 000 staff, je pense que je ne mentirais pas si je disais qu'il y a moins de 10% parmi nous qui ont cette opportunité et ce courage et ce dévouement de pouvoir mettre en écrit nos parcours. Donc, Mbaye fait partie de ce petit groupe de moins de 10% d'un staff qui a beaucoup à dire, qui a beaucoup à relater, mais toutefois ne trouve pas ou bien le courage ou le temps de le faire. Donc nous félicitons Mbaye parce qu'en écrivant ce livre, quelque part, il nous joint à son histoire. Nous nous retrouvons surtout dans la partie qui touche le travail de l'humanitaire. Et c'est un travail souvent qui est difficile dans des zones qui sont dans l'insécurité totale. Fort heureusement, je sais que les Sénégalais voyagent beaucoup. Sinon, j'aurais dit que si vous êtes dans un pays comme le vôtre, qui est le Sénégal, qui a connu que la paix, parfois c'est difficile d'imaginer combien les autres dans les zones où nous travaillons sont dans des difficultés énormes. Moi et Mbaye, on a travaillé dans des zones comme la RDC,
Tantôt c'était le Zaïre, la RDC et les autres endroits comme l'Afghanistan ou encore le Sud-Soudan, où même aujourd'hui, nous avons plus de 1 million de réfugiés qui ont quitté ce pays pour aller se réfugier en Ouganda. Donc, pour nous, on se retrouve aujourd'hui dans le livre ou le roman de Mbaye, on se dit quelque part, il va laisser une légacy, c'est ça? Legacy? Legacy? L'héritage. L'héritage pour nous tous. On se voit dans ce livre. On se voit aussi dans la partie qui touche Pékin, parce que ici on dit banlieue, je pense que dans les autres endroits, le mot est moins élégant. Mais toujours est-il que ce sont dans ce banlieue que la plupart de nous ont évolué. Ceux-là qui évoluent dans le capitaux, même avec la croissance des gens dans le capitaux, ils sont moins nombreux que nous qui évoluons dans les banlieues et dans les zones rurales. Mais ce que Mbaye a fait, ce que Mbaye a fait, c'est de capturer d'une manière très claire qu'un enfant de banlieue peut devenir quelqu'un. Il suffit non seulement d'avoir Dieu de son côté, mais de par sa discipline, de pouvoir accéder à une carrière ou même une évolution dans la vie qui est plus que cette localité qui nous produit. Moi-même, je me vois dans cette localité, et comme j'ai dit, beaucoup de nous. Mais cette localité, à mon avis, c'est celle-là qui permet au développement de cet homme entier qu'aujourd'hui nous nous trouvons devant. Un homme qui est humble, qui est connu par sa sagesse au ACR, qui est connu par sa diplomatie. À chaque fois que nous avons, que ce soit des difficultés ou affaires entre le personnel, si Mbaye est dans ce bureau, vous pourrez vous rassurer qu'il va trouver, il va faire la médiation pour trouver une solution positive. Et moi, je pense que si Mbaye était né dans un palais, si je peux le dire ainsi, ou dans un environnement un peu plus avantageux, il n'aura pas eu l'opportunité de développer toutes ses expertises, toutes ses qualités qu'aujourd'hui il a. Donc je pense que cette banlieue l'a formé à être quelqu'un qui est très sensible aux problèmes des autres, à être quelqu'un qui est prêt à résoudre les problèmes et ne pas avoir peur, si je peux le dire ainsi. Donc, nous sommes très contents, nous tous au ACR, que Mbaye a capturé dans un roman son vécu, mais à travers cela, il a laissé un livre qui va servir comme un héritage pour nous, assis ici, ainsi que pour nos enfants et pour nos frères et nos sœurs. Donc, je m'associe à vous tous pour féliciter Mbaye et pour l'encourager de produire plus que cela. En dernier lieu, j'aimerais dire que je sens que l'esprit de nos ailleurs est dans cet environnement. Et plus particulièrement, notre grand poète, notre philosophe, qui est, si j'ai bien suivi le parcours de Mbaye,
et même son grand frère. Je parle de notre président, faux président, M. Sangor, et j'ai l'impression, et ce n'est pas seulement l'impression, on nous dit en Afrique que nos ancêtres sont toujours avec nous. Et donc, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, notre plus grand frère sera très content de toi et que vous avez mis en écrit votre parcours. Et donc, comme j'ai dit, nous attendons plus de 10 livres encore, 10 romans encore de vous. Merci beaucoup. On vous remercie. Messieurs, permettez-moi de préciser à tant que vous voir que Mme Lise est la représentante régionale du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés pour la région Afrique de l'Ouest qui est établie sur la même dimension que de la CEDEAO. Donc, elle a sous ses compétences l'ensemble des États relevant de la CEDEAO et de la nationalité nigérienne. Merci, Mme la présidente. Merci beaucoup encore. Donc la parole est au nom de Dr. Sadou. Monsieur le haut commandant de la gendarmerie nationale, le général Meissegna, monsieur le préfacier du livre de monsieur Mbaye Birame Diouf, madame la représentante régionale du haut commissariat pour les réfugiés, monsieur le directeur du WAR, chers frères, mesdames, messieurs, chers invités, donc, permettez-moi d'abord de me présenter. Je pense que ce sera peut-être une répétition. Je suis Madame Fatou Diouf, donc Docteur Fatou Diouf. Et je suis la sœur à Mbaye Diouf, donc je suis sa sœur. Et nous sommes de même père et de même mère. Mais avant de commencer, permettez-moi d'abord de le remercier et de remercier toute ma famille pour l'opportunité qu'ils m'ont donnée aujourd'hui de venir devant ses amis, devant sa famille, devant ses collègues, n'est-ce pas, devant ses sympathisants pour faire un témoignage qui vient à son heure sur mon frère Mbaye Diouf. Mais auparavant, permettez-moi d'abord de donner un sentiment, mon sentiment, ou bien le sentiment de la famille par rapport à cet ouvrage. Parce qu'une partie de cet ouvrage également est notre vécu quotidien. Parce que je suis née devant Mbaye, j'ai grandi devant Mbaye. Donc c'est lui qui m'a éduquée et qui, en grande partie, a fait de moi ce que je suis devenue aujourd'hui. Donc je peux dire que je suis témoin de beaucoup d'événements qu'il a relaté dans cet ouvrage. Mais je pense que pour parler du livre, je pense qu'il y a des voix plus autorisées que la mienne. Il y a l'éditeur, il y a le préfacier. Donc pour parler du livre, je vais juste résumer pour dire que ce livre, la compréhension que j'en ai moi, c'est que c'est un message d'espoir. Un message d'espoir qui est destiné à la jeunesse en général et à la jeunesse africaine en particulier. Et je dis que même avant de donner ce message d'espoir à la jeunesse, c'est un message d'espoir également que Mbaye nous a toujours donné, nous, ses frères et sœurs, qui nous a toujours inculqué. Voilà. Donc, comme disait le président américain, donc on ne doit pas s'auto-limiter, se dire que ce n'est pas possible, on ne peut pas réussir. On peut ne pas naître avec une cuillère d'argent, n'est-ce pas, dans la bouche, mais par force de volonté et de courage, n'est-ce pas, et de croyance, on peut arriver au sommet. N'est-ce pas lui qui disait Yes we can? Et à l'époque, personne ne pensait que Noir pouvait être président des États-Unis. Mais il y a cru. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, il a, comment dire, enlevé un mythe. Aujourd'hui, n'importe quelle minorité aux États-Unis peut avoir la prétention, avec l'espoir d'y arriver, n'est-ce pas, de briguer la présidentielle. Et je pense que c'est un message fort, donc un message d'espoir que Mbaye Diouf est en train de lancer. Et ne pas se dire que les difficultés de la vie ne doivent pas être nous entraver. N'est-ce pas? On peut réussir si on a la volonté. Et comme disait Kierkegaard, ce n'est pas le chemin qui est difficile, mais c'est le difficile qui est le chemin. Donc malgré la difficulté de la vie, malgré les problèmes, on doit les braver, on doit avoir un objectif et essayer d'atteindre cet objectif. C'est pourquoi je pense qu'il a réussi brillamment, il a pu sortir de ses difficultés, les transcender et en faire une réussite qui est une référence pour tout le monde, à commencer par nous, qui sommes ses frères et sœurs. Mbaye, pour vous dire que nous sommes fiers, nous sommes très fiers, toute ta famille est fière de toi. Ça, c'est mon impression par rapport à l'ouvrage. C'est mon impression par rapport à l'ouvrage. Maintenant, le second aspect va porter sur la personne de Mbaye Diouf, mais je dis que c'est une œuvre redoutable.
redoutable, hein? Difficile. Difficile, facile et difficile à la fois. Facile pourquoi? Parce qu'on n'a pas besoin d'inventer, on n'a pas besoin de créer. Il a fait tellement de bonnes actions au niveau de sa famille qu'on n'a pas besoin de créer quoi que ce soit. On peut dire spontanément, n'est-ce pas, avec les mots qui nous viennent du cœur, toute sa bonté. Mais difficile parce qu'il a fait tellement de choses bien qu'on a des problèmes, même le juriste que je suis a des problèmes pour délimiter. Qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire? Est-ce qu'il faut, qu'est-ce qui est prioritaire? Qu'est-ce qui est accessoire? Donc c'est difficile de parler de Mbaye, parce que c'est la dimension de la personne. C'est la dimension de mon frère. Mais maintenant, tout simplement, essayez de résumer pour vous dire que Mbaye, c'est quelqu'un qui a le sens de la famille. Mbaye, c'est une personne très généreuse, hein? Et moi, je suis témoin. Donc il y a une dizaine d'années de différence entre nous. Quand j'étais enfant, donc je suis témoin à plusieurs reprises, hein? Il était encore élève, mais il n'hésitait pas à venir solliciter ma maman pour rendre service à un ami. Et ma mère avait l'habitude de lui dire, il faut attendre d'avoir votre propre argent, n'est-ce pas, pour donner. Parce qu'il avait, il était tellement généreux qu'il voulait partager. Mais ça montre que, comme disent les Wolofs, donc il a toujours voulu partager ce qu'il a. Et il a un sens inné, un sens inouï de la famille. Et quand je parle de famille, c'est la famille au sens large, hein. C'est sa maman, c'est son père, c'est son épouse, ses enfants, ses frères et ses sœurs. Mais tout ce qu'il a, il a partagé avec nous, ses grands frères, ses petits frères. Et surtout ses petits frères, Mbaye a joué non seulement le rôle de grand frère, mais il a également joué un rôle de père. Nous tous, hein, nous sommes à partir, hein, au lycée, habités chez lui, carrément. Hein, et il nous a encadrés, il s'est occupé de notre scolarité, il nous a encouragés et il nous a poussés à faire des études supérieures. Je me demande, même après la bac, je disais, non, je vais faire tel concours. Il me dit, non, Kana, il faut y aller, il faut continuer, il faut aller à l'université, il faut avoir ton doctorat. Et même, il n'hésitait pas à se fâcher contre moi, parce qu'à un certain moment, j'étais ralentie dans ma thèse. Hein, parce qu'effectivement, il fallait penser quand même à faire une vie de famille. Nous sommes des femmes avant tout. Hein, mais lui, il tenait tellement à ce qu'on réussisse. Hein, et jusqu'à présent, j'ai l'habitude de le dire, Mbaye, tu nous as déjà donné, non seulement tu nous as donné du poisson, mais également tu nous as appris à nager, à être autonome, à voler de nos propres ailes. Mais là, ce que je peux vous dire, c'est que vous avez les prières de vos parents. Mon père, mes frères et soeurs sont là. Mais je dois dire que, je ne peux pas dire que c'est le préféré, hein, pour ne pas créer des jaloux. Moi-même, je peux être jalouse, bien sûr. Mais je dirais que c'est un de ses préférés. S'il y en a deux, lui, c'est le, il fait partie de ces deux. Hein. Également, il a une adoration pour sa mère, hein. N'est-ce pas? Tout ce qu'on peut trouver comme teranga dans la vie, il l'a fait pour ses parents, il l'a fait pour ses frères, il l'a fait pour ses soeurs. Donc on ne peut pas énumérer. On peut même écrire un livre, hein, sur ses bonnes actions pour nous dire qu'il a fait tellement de bonnes choses. Vraiment, Mbaye, on est fiers. Ta famille vraiment prie pour toi. Et mais avant de clôturer aussi, je dis que derrière chaque grand homme, il y a une grande dame. Hein. Donc je veux rendre hommage, hein, à Madame Diouf, qui est notre grande sœur. Mais également, qui est votre maman. Mbaye voyage beaucoup, hein, n'est-ce pas, depuis qu'il travaille dans le système des Nations Unies, Madame la représentante, vous savez de quoi je parle. Donc il voyage tout le temps, mais ça, son épouse est là, vraiment à assurer le rôle de coordination, à veiller à ce que tout se passe bien, à veiller à ce que les relations au niveau de la famille soient fluidifiées. Donc merci Madame Diouf. Merci cher frère, nous t'aimons, nous t'adorons et que Dieu te lève au plus haut niveau. Merci. Merci beaucoup, je pense que le témoignage est assez éloquent. Venant d'une sœur, de quoi qu'il y a rien à dire. Donc quand même, vous avez la parole. Monsieur Diabouna. Comme ça y est, les réfugiés. De la région Afrique de l'Ouest. Monsieur le général de division, au commandant de la gendarmerie nationale, messieurs les officiers généraux, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, après avoir adressé mes chaleureuses salutations à chacune et à chacun de vous, au regard de vos titres, c'est grave. Je voudrais exprimer ma gratitude à l'auteur des Lumières Invisibles pour avoir porté son choix sur la modeste personne de cette adresse. Vous
11 novembre 1982 à ce jour 4 septembre 2017. Mbaye et moi, nous totalisons 34 ans, 10 mois et 22 jours de solides relations d'amitié et de fraternité d'âme, correspondant à l'expérience de la deuxième promotion de l'École nationale des officiers d'actifs de Thiès. En effet, ma relation avec Mbaye au cours de la deuxième promo de l'ENOA, appelons affectueusement Biron, est juste le reflet de l'unité et de la solidarité qui existe au sein de cette promotion baptisée Amadou Diallo Gadio et que nous tentons quotidiennement d'améliorer et de renforcer. Comme mes camarades de promo, les Bakouba, ici présents, vont permettre de parler en leur nom. Mbaye Diouf, pour la plupart des promotionnaires appelés Beug Diam, l'homme de paix, a toujours gardé des relations honnêtes, sincères et chaleureuses avec chacun de nous et comme du reste avec tous les officiers et gradés qui l'ont connu et parti. Il en est de même avec ses collègues du milieu humanitaire où il est en cadre respecté. L'ouvrage Lumière invisible, une autobiographie qui, plus qu'un récit, est un creuset d'enseignements portant sur d'abord, l'importance de l'éducation dans la pure tradition de la société africaine, où l'enseignement est d'abord religieux et seulement ensuite occidental, est particulièrement centré sur des valeurs pour le savoir et le savoir-être. Les parents, en dépit de la modestie de leurs conditions sociales, n'y ont pas renoncé. Ils ont su mettre leur enfant sur cette voie et l'ont enrichi de l'amour du prochain, du sens de la solidarité familiale, mais surtout de la foi. C'est donc fort de ce capital que l'adolescent Mbaye va arpenter les chemins à la fois sinueux et tumultueux de la banlieue à travers l'école coranique, élémentaire, secondaire pour se frayer un passage et réaliser son premier rêve, celui inspiré par les aînés, l'entrée à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et à la prestigieuse faculté de sciences juridiques et économiques. Après 3 années de dur labeur couronné de succès, il répond à l'appel du destin en optant pour le métier des armes alors que la filière universitaire lui était grandement ouverte. C'est le tournant. L'étudiant, l'intellectuel, intègre une certaine après-midi de vendredi 12 novembre 1982 de Noir. Deux officiers d'exception vont consacrer 2 années de leur vie à donner à Mbaye Biron Diouf et à ses camarades la meilleure éducation. J'allais dire formation aussi. Le défi était grand. Transformer en un court délai de 2 ans des étudiants en officiers. C'est le pari gagné par les généraux Babacar Gaye et Papa Samba Camara. Et bien sûr, avec l'appui de nos anciens, garants des traditions militaires, et parmi lesquels le général Mamadou Sow, ancien chef d'état-major général des armées. Il s'agit d'une formation technique, tactique, mais surtout morale, qui fait qu'en toutes circonstances, l'officier ne renonce pas, mais va plutôt de l'avant en surmontant les obstacles conformément à la devise El Diom Akfit. Un exemple d'incarnation de cette devise est aussi un enfant de la banlieue, plus précisément de Pikim. Je veux nommer le feu capitaine Mbaye Diagne, un héros consacré par les Nations Unies en raison de son abnégation, sa bravoure et son sens du devoir. N'était-il pas un voyage de chambre? Mon cher Biron, oui, il est un enfant de la banlieue. Il n'accepte pas plus les privilèges de naissance, mais plutôt de la bonne éducation, la formation, et surtout la bénédiction des parents pour qu'il n'a jamais désobéi. Dès lors, pourquoi cette main divine si généreuse te retiendrait dans ton ascension? Ensuite, viennent les péripéties de la carrière. À 20 ans sans péril, on triomphe sans gloire, dit l'adage. Qui a été confronté à la rigueur, voire même à la rugueur en commandement. Qui a vécu des vacillements au niveau institutionnel, au moment où cette institution devait être servie de rempart. Qui a résisté, surmonté les dysfonctionnements et accompli la mission avec l'aide de la mine invisible
pour la justice divine. Dirais-je, comme contre de propos, qui n'a cessé de t'enseigner son indéniable existence. Les faiblesses dans le fonctionnement des institutions, les problèmes de transparence ou des cas d'agissement malsain ne manqueront pas. Mais il ne saurait constituer des obstacles infranchissables à la marche vers le sommet. Le Gamba est comme un océan que l'on ne saurait retenir avec les mains. C'est d'abord au double plan national comme international où tu as rayonné en tant qu'officier des forces armées sénégalaises avant que tu ne sois rattrapé par ta vocation humanitaire. À titre illustratif, tu as marqué les esprits dans deux dossiers clés pendant que tu commandais la prestigieuse, mais aussi redoutable, compagnie de gendarmerie de Dakar, communément appelée Tchang. Il s'agit de l'enquête que tu as conduite dans le cadre de l'affaire dite de visite Ikotaf de Pékin, et où, malgré le vacillement de l'autorité dépositaire des pouvoirs, tu as poursuivi le travail avec rigueur, abnégation et désintéressement pour le rétablissement de la légalité. Et un précédent en état avec la première grève des greffiers des tours de l'État. N'as-tu pas également pris des mesures fortes au risque de ta vie pour venir à bout de gangs de criminels qui faisaient régner la terreur dans certains quartiers de la capitale? La neutralisation de la bande à la Kalachnikov et des tristement célèbres Bio, Ino et Alex fut une véritable délivrance pour les Dakarois. Ce sont donc tes performances qui t'ont valu la confiance du commandement et l'honneur de conduire le premier contingent sénégalais de police civile dans une mission de paix des Nations Unies. J'ai cité l'engagement de tout le monde. Ta reconversion dans l'humanitaire est tout à fait naturelle. Pour ceux qui te connaissent et qui sont unanimes sur tes qualités humaines, faites de générosité et surtout d'une permanente volonté d'assistance à ton prochain. Tu es humanitaire par nature. Diplomate et tes fonctions de médiateur en chef au sein de la promo qui prédestinait déjà. Les relations humaines que tu as développées à travers tes différentes expériences sont une parfaite illustration de la chaleur et de la sincérité de ton amitié. Dès lors, après ton engagement au Timor, pouvait-on s'attendre moins qu'un plein d'épanouissement dans les opérations en Guinée, en Afghanistan, au Pakistan, au Libéria, au Ghana, au Rwanda, en RD, en République démocratique du Congo, en Côte d'Ivoire, au Nigeria, et tout récemment, et tout récemment au Niger, dont je suis un témoin privilégié. Je note par ailleurs que tu as été l'artisan de la paix au Nimba County, au Libéria, après le départ de Charles Taylor en 2003, le médiateur de circonstances entre les rebelles du modèle et les ministres du président déchu. Ton intervention circonstancielle, certes risquée, avait permis de ramener la paix avec le démantèlement de la ligne de front et faciliter ainsi l'accès à des milliers de réfugiés ivoiriens en situation de besoin d'assistance de justice. Et c'est donc avec une réelle fierté que j'ai lu le témoignage de ton chef, Mr. Moses Okero, sur ce sujet et admirer les photos publiées pour la circonstance pour mémoriser. Ce pan de l'histoire de Maguire Diouf mérite qu'on en parle, car au-delà de l'homme, ce sont les amis, la famille et le Sénégal tout entier qui sont honorés par un tel témoignage, qui s'il n'était pas relaté dans ce livre, ne serait certainement jamais su. Enfin, tu nous enseignes que le succès est au bout de l'effort et que par conséquent, nul n'a le droit d'abdiquer. Chacun a sa chance. Il suffit d'y croire et de payer le prix qui varie suivant les conditions sociales. Tu es un homme de foi, mais pas un fataliste. Tu as donc combattu les clichés et refusé le déterminisme pour t'engager résolument dans le combat pour la vie, the struggle for life. Et tu as donc trouvé que la réussite n'est pas forcément tributaire de l'origine sociale, des conditions des milieux, mais relève aussi et fondamentalement de la qualité de l'éducation reçue en termes d'enseignement,
de modèle de comportement et de la force de caractère. Et à partir de ce moment, il devient légitime de se retourner vers Dieu, le Créateur, qui dans ton infinie bonté a d'ailleurs dit, demandez-moi et je vous donne. Oui, mon cher Bayram Diouf, la récompense est au bout de l'effort et les enfants des milieux démunis, futiles de banlieue, pour bel et bien leur partition à jouer. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, lançons à mon humble avis trois idées fausses qui émergent de ce fascinant livre à la lecture agréable et facile. Merci et bon moment à l'auteur de lumière. Après la note de présentation du livre, nous passons la parole à son auteur, Mel Biramtiouf. Merci. Monsieur le ministre. Monsieur le ministre, mon général Maïseignan, cher Babacar, Madame Lise Ahoua, représentante régionale du HR, cher Fodé, Monsieur Sen, Messieurs les généraux, honorables invités, Madame Ngom, qui est là, et sa famille, chère mon épouse Awacham, merci Papou. Je suis vraiment très fier aujourd'hui des témoignages que j'ai entendus. Et je suis vraiment, je ne sais pas, il y a un peu d'émotion, mais c'est une façon, n'est-ce pas, d'exprimer ma fierté. Je suis très content de voir toute cette assemblée qui vient témoigner son amitié et son soutien à deux personnes. D'abord à Babacar, qui est le préfacier, qui est la personne que j'ai choisie pour préfacer mon livre, et à moi-même, n'est-ce pas, pour justement manifester votre soutien à cet ouvrage, l'ouvrage qui est déjà décrit. Déjà, tout le monde sait pourquoi j'ai écrit, parce que tout le monde en a déjà parlé. Alors, je vais commencer d'abord par les remerciements. Je remercie M. Sen qui nous a accueillis ici au WARC. J'ai découvert le WARC maintenant et j'ai trouvé qu'il y a beaucoup de bonnes choses qui se font ici. Et merci M. Sen pour cet accueil si chaleureux. Et il y a un prince d'air ici, tout est clair. C'est extrêmement. Je ne sais pas si je me trompe. Alors, mais non, je veux dire que c'est un centre qui fonctionne, disons, sur la base de certaines règles éthiques. Et c'est surtout cet aspect que je veux faire ressortir. Merci à mon chef, à Abyss. Fodé n'aime pas trop qu'on mentionne son nom, il veut qu'on parle de Abyss Édition. Abyss, c'est une grande maison d'édition et qui fait de très bonnes choses. Et ce n'est pas pour rien, à travers notre expérience commune, que je découvre qu'Abyss Édition a été primé deux fois, en 2013 et en 2015. Le représentant du ministère de la Culture est là. Voilà. Donc, il est là, n'est-ce pas? Quelque part ici. Donc, voilà, merci à Abyss. Cher Babacar, c'est moi qui vous ai choisi. Et je sais pourquoi je vous ai choisi. J'avais pourtant le choix, parce que Pikin recèle de compétences, recèle de personnalités. Si je dis Pikin, c'est la mère de la banlieue. C'est de là que tout est parti. Hadim Sam, il est où? Voilà, il a raconté son histoire tout à l'heure en parlant de Pikin. C'est la mère des banlieues. C'est là où tout est parti, n'est-ce pas? C'est un peu le vivier pour l'exode rural, n'est-ce pas? Babacar en a parlé tout à l'heure. Alors, avant de connaître Babacar, en ce moment j'avais déjà écrit le premier draft, le brouillard de mon livre, en 2013. Et j'ai dit, non, c'est bien d'écrire, mais c'est aussi bon d'avoir une référence, quelqu'un dont la voix peut porter à l'endroit de la jeunesse, et que cette jeunesse puisse avoir confiance et aller au travail. C'est quelque chose comme ça, aller au travail. Voilà. Et j'ai fait des recherches, j'ai parlé à des gens.
j'ai reçu des conseils, j'ai eu une liste de personnalités. Et après, les gendarmes diraient enquête, c'était pas ça, mais c'est plutôt des recherches. Je n'étais pas un enquêteur. Alors j'ai trouvé que la personne que je cherche, c'est Michel Parokambom. Dans l'internet, j'ai vu d'ailleurs que peut-être que sa famille va se rappeler à ses débuts, j'avais quelques poulets, je crois. Il avait commencé à vendre 50, je crois, quelque chose comme ça. Et petit à petit, c'est devenu une industrie, la sédiment, une référence. Je ne dirais même pas sénégalaise, mais une référence mondiale. Et ça, c'est le travail d'un homme, un travail minutieux, qui n'a pas négligé, qui n'a négligé aucun détail, mais un homme qui est pétri de qualité, n'est-ce pas? Un homme d'éthique, un homme d'engagement, un homme de courage, parce qu'il faut être très courageux, n'est-ce pas? Et pour pouvoir continuer son chemin. Un homme, je vais peut-être dire cela aussi, qui est passé par Bikin, la banlieue. Il a étudié au CS de Bikin quelque part. Donc, quand j'ai vu tout ça, j'ai dit, voilà, j'ai quelqu'un de Bikin, quelqu'un qui est un travailleur, quelqu'un qui a de l'éthique, quelqu'un qui a beaucoup de valeurs morales, quelqu'un qui est un exemple, quelqu'un qui est un travailleur, quelqu'un qui ne recule pas devant les difficultés de la vie, et aujourd'hui, il a réussi à se construire. Alors, cette image-là, c'est ça qu'il faut vendre. C'est ça qu'il faut vendre. Et merci Babacar pour votre discours. J'espère que votre discours sera entendu par la jeunesse de la banlieue, mais également par la jeunesse de notre pays. De notre pays, en ce moment où les valeurs sont en déperdition, les enfants n'ont plus véritablement de référence. Donc, il est important de réveiller de nouveau, n'est-ce pas, ces qualités-là, pour que les gens croient en eux-mêmes. Que les gens croient, sachent qu'il faut rejeter la fatalité. Il faut se battre. Avec un... Hier, j'écoutais le discours d'un général, je crois, américain, je pense bien c'est ça, et qui s'adressait à une promotion de l'officier qui est sorti d'école. Je pense que c'est Moussa Sana qui m'a envoyé ça, que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs. Moussa Sana, c'est mon ami du programme alimentaire mondial. Et au début de son discours, il dit que si vous voulez faire du bien, à votre réveil, commencez par faire votre lit. Je sais qu'il y a beaucoup d'hommes qui ne font pas le lit. Et il laisse ça toujours à madame. Alors, donc si vous faites le lit d'abord, quand vous sortez, vous faites d'autres petites choses, et à la fin de la journée, vous aurez fait beaucoup de bonnes choses. Et vous devrez être fiers. Mais si vous retournez à la